Bonjour à tous et bienvenue, c'est Dracos. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Lost Planet 2. Donc comme je l'ai déjà dit, oui je sais que le jeu date un peu, beaucoup, depuis très longtemps. Mais bref, t'as qu'à regarder l'épisode 1 et tu comprendras pourquoi je fais ces vidéos. Un harmoniseur. Donc ça, si je me rappelle bien, ça me donne... Voilà, ça me donne de l'énergie. Donc je crois que c'est par ici, par exemple il y a plusieurs chemins, donc on peut passer par là-bas ou foncer directement par là. Mais là, ce que moi je vais faire, c'est que je vais passer par là, parce que c'est plus long. Et qu'il y a plein de méchants. Yeah. You're on the right track. Have a plan ready for any contingency. Là par exemple, j'ai un VS, donc ce sont les petits mechas. Donc voilà, c'est vraiment le modèle basique. Hein. Mais bon, on va pas garder le VS parce que c'est assez lent. On va plutôt avancer à pied. Hop. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça, des petits succès à déverrouiller. Ils sont un peu cachés, donc là on va le trouver celui-là. Bon, c'est pas très bien. J'ai où un petit sniper Je vais changer contre le pompe. Voilà, il va viser. Non, ça c'est la grenade. On vise. On vise la visée. Alors j'essaie de me rappeler. Ah voilà, la visée. Ok, voilà, faut juste que je me rappelle la visée. Ah, parce que... ah oui, si, voilà. Yeah.
Bon, là, c'est juste une petite partie, donc je pense qu'on va se faire ça comme ça. On va se faire une mission complète. Ce truc, mis à part le premier épisode qui était plus long parce que j'expliquais un petit peu le tout début. Ouais, un petit silver. Oh yeah. Mais pourtant, j'ai pas eu tous les succès de l'épisode. C'est pas mal. Voilà, donc là, je pense qu'on va peut-être se faire tout un épisode complet, toute une mission. Donc là, je sais pas, on ira peut-être pas jusqu'au Big Boss. Peut-être se faire deux, trois épisodes. Parce que c'est par épisode plutôt que par mission. Moi, je préfère dire par épisode. Your objective is to destroy that mine, so listen closely. You can collapse the entire mine by making the two boring poles spin out of control. First, activate the five power generators to gain access to the control units. There are four control units for the drills. If you can activate them all and keep them running for more than 90 seconds, the mine shafts will start to collapse. Good luck. Activate all the generators. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus facile quand on est avec des joueurs, avec de vrais joueurs. Pour la simple bonne raison que on peut donner des ordres à nos personnages, que là c'est vraiment. Ouais, ça le. On va les prendre, c'est sympa. Donc ça, ouais. Voler. Ça me saute. Deux trucs là-bas, on va essayer de les péter assez rapide. Ça me fait chier. Quoi, ce lance-roquette? Putain, jeu spécial, c'est de la merde. Bon, on refera un petit tour au niveau des armements, hein, je pense. On va activer celui-là en temps. Tant qu'à faire, on fait ça.
Donc ouais, il y avait des armes spéciaux, des petites armes spéciales qui étaient un petit peu merdiques, genre le fusil à pompe qui envoyait des confettis. C'est vraiment de la merde. Donc là, ça va donc être un mode survie, on doit essayer de survivre plus longtemps pendant que les ennemis débarquent, avec des VS à détruire bien évidemment. Je me rappelle bien. Donc là, faut les garder en vie, je crois, les trucs. Faire en sorte à ce que les ennemis justement ne les replient pas. Ah oui, non, je suis con. Faut les activer. Je suis ballot, je suis con. Je suis con. Oui. Faut que je les active. Faut empêcher ensuite les ennemis de les déréactiver. Enfin, les relever. On va avoir un méca qui devrait pas tarder à arriver. Méca ennemi, bien sûr. C'est parti.
prendre les armures. Voilà. Le make-up était très rapidement parce que bon, je suis en mode facile, hein, en mode difficile, il pète pas avec une seule grenade. Hein, c'est beaucoup de questions. Carrément, on lance requête que. Si je me trompe pas, il y a un QTE. Une des choses les plus chiantes dans les jeux vidéo. Eh merde, je me suis gouré. Aïe. Voilà, normalement, si on est en dehors, en mode deux joueurs, s'il y a plusieurs joueurs avec nous, il y a un deuxième joueur qui doit donc éviter le truc. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir la cinématique de fin, c'est juste que... Aïe. Voilà, vu que je suis mort, ça me fait aucun succès gagné. C'est génial, hein. Voilà, j'ai fait un petit fail. J'ai appuyé sur L1 R1 au lieu de L2 R2. Bref, voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On va continuer dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres fails. Parce que je pense qu'il y en aura pas mal. Vu que vraiment que je reprenne les systèmes de touches. Mais bon, voilà, hein. Sur ce, donc j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à vous faire plaisir, etc. Sur ce, moi je vous retrouve sur la vidéo qui va suivre. Ouais, des crédits qui me servent à rien.